juste mettre tes bombes, habille-toi rapidement et on va attaquer là. Ok. À tout. Bonjour, Sofiane Alouache, entraîneur de l'équipe de France. Aujourd'hui, on en a deux en demi-finale, Julien Com et Kachi Lumé, et Kevin Sidhu qui va chercher sa médaille musicale. Nous allons pour les phases finales musical form de Kevin, en espérant qu'il remporte bien évidemment le titre champion d'Europe. On l'encourage, merci. Let's go!
Donc bonjour, c'est Kevin Setou, donc représentant Musical Form pour la Fédération et donc pour la France. Donc aujourd'hui il se passait ma catégorie, donc Musical Form Art Style en senior. Donc je trouve que moi personnellement j'ai fait une bonne presta. Donc j'étais contre 5 concurrents. Niveau des notes, la surprise un peu générale, je me retrouve deuxième. Et puis après un recomptage des notes, je me retrouve troisième après les deux Russes. Bon voilà, c'est le jeu, c'est la Waco. On retourne travailler de toute manière et puis pour faire la différence. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines compétitions. Salut à tous, c'est Julien Combe. Donc voilà, l'aventure s'arrête ici. J'ai perdu en demi-finale contre le Turc, qui avait un style un petit peu fuyant, un peu différent des autres. J'ai pas réussi à m'adapter. Donc c'est pas passé pour cette fois et puis on tentera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Pierre-Yves Roquefer, directeur des équipes de France Boxing Box Style. On vient de finir notre compétition. Bilan, 2 médailles de bronze en full contact. Cathy Lemay 70 et Julien Combe 60 kg. Une médaille de bronze en musical form, Kevin Setou. Bilan global, pour moi pas bon, parce qu'on doit accrocher l'or. Avec un petit peu plus d'analyse à chaud, on peut se dire que c'est la même équipe qui revenait de Maribor, il n'y a pas eu le temps de se caler, ils sont repartis directement sur une deuxième compétition. Deuxième analyse au niveau international, il y a de plus en plus de combattants atypiques qui arrivent, j'en ai vu qui étaient en Muay Thai, qui se retrouvent au full contact, d'autres qui arrivent du Taekwondo, du Sanda, ça devient de plus en plus large, atypique, donc il va falloir s'adapter sur énormément de paramètres. Donc les entraîneurs, j'ai demandé un rapport aux entraîneurs là-dessus. Les sportifs, les deux jours qui viennent, ce ne sera pas les vacances. Ils auront des cours individuels avec les entraîneurs pour revoir justement ces fondamentaux et rentrer en contact avec leurs professeurs pour pouvoir échanger de manière sereine sur l'avenir. Côté Kazan, Juliette Lacroix et Annelle Angerville sont en finale et vont chercher à décrocher leur ticket pour les World Games en 2017 en Pologne. Et même chose pour Clément Androver qui est passé. Donc résultat pour eux demain ou après-demain. Merci.